Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite avec Jack Winters, le retour. Ouais, j'ai fait une petite pause là, j'étais pas là, mais on va rattraper un peu le retard, ça fait une semaine que j'ai pas été là. Putain, parce que ouais, j'ai repris les lives aussi à côté. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez me rejoindre sur Twitch les gars, je fais une nouvelle histoire. Il y a une autre histoire en parallèle, il est incroyable. Sur Twitch, c'est des lives de 4 heures, hein. Pour les gens qui n'ont pas assez ici, bah, vous pouvez me rejoindre pour une nouvelle histoire aussi sur Twitch. Voilà les frères. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Écoutez, je vais même pas vous donner d'objectif aujourd'hui. Mettez les likes que mérite cette vidéo. D'accord? Tout simplement. Ok les frérots? Bon, les frères, j'ai réfléchi et je me suis dit, on a dit qu'on était là avec Jack Winters pour pimenter un peu notre RP, prendre des risques. C'est pour ça que je vais essayer de calmer encore une fois la chose avec Alvaro, me servir de lui pour essayer de nous faire un peu plus d'argent. Parce qu'avec le taxi, on va pas trop évoluer, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Je voulais être taxi pour faire des trucs en douce. Par exemple, pour vendre de la coque, etc. dans mon taxi, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être incroyable, les gars. Bon, c'est un risque à prendre. Si je me fais choper, je risque de perdre mon entreprise. Mais bon, on est là pour prendre des risques, on est en hardcore. Frérot, c'est pas mon compte en banque qui va augmenter, hein. Regardez mon compte en banque là, il y a que 4000. Bon, après, on va aller voir sur entreprise de taxi, combien on est là. De toute façon, le copatron, maintenant, je vais le laisser gérer, payer les employés, me faire un petit rapport tous les semaines. On va pimenter notre RP. Mais pour cela, nous devons, les gars, essayer, j'ai bien dit, essayer de négocier avec Alvaro, récupérer sa confiance. Et on le baisera plus tard, cet enculé. Je sais pas ce que vous en pensez, les frères, dites-moi dans les commentaires. Ça y est, il faut qu'on se consacre un peu plus sur le business là. Business illégal. Déjà, dans un premier temps, on va voir nos messages. Ma mère, pas de nouvelles de toi, mon fils, tu vas bien. Alvaro m'avait envoyé une photo. Oh là là. Ah, le bâtard! Il fait nettoyer ma mère! Oh, je suis mort! Hein? Mais wesh! Pourquoi ils ont fait ça à ma mère? Oh non! Mais elle se met toujours dans des trucs bizarres, putain! On va appeler Alvaro, putain! Alvaro, c'est enculé, là! Eh, la dernière fois, on a pissé sur son lit, c'était drôle! Allô? Hola, hola, mi hermano, comment est-ce que ça va, tranquille, et toi? Ça va, putain, le temps a passé, hein. Je pense que tu t'es apaisé depuis, non? Je sais pas, tu veux quoi? Non, mais tu m'avais envoyé une vidéo où ma mère se faisait écraser par un caddie, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que j'étais un mal baisé, que mes couilles, je sais pas, je sais pas. Elle m'avait menacé avec un couteau. Ah ouais, elle est folle. Elle part en couille, elle part en couille en ce moment. Même ouais, moi, j'arrive pas. Elle part en couille, t'as madré, oui. Je sais pas quoi faire, putain. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, t'as raison. Il fallait lui donner une petite leçon. Moi, je suis d'accord avec toi, moi. On lui a fait mal, mais pas trop non plus. On lui a pas tiré dessus. Ouais, ça va. J'ai un petit caddie, ça fait pas mal. C'est comme un auto-tamponneuse. Je lui ai bourré dedans avec le caddie, ouais, c'était bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bah, écoute, Alvaro, moi, comme je t'avais dit, moi, je me suis remis en question. Ça y est, je veux changer. Ça y est, j'ai tourné la page et j'ai envie de changer vraiment. Je t'ai dit, ça m'a fait grandir ce que tu m'as fait. Donc, là, j'ai besoin d'un petit boulot, là. Comment ça, un petit boulot? Je sais pas, c'est un petit boulot pour moi, voilà quoi, si on peut en discuter. Oui, mais on peut en discuter. Là, t'es dispo là? Oui. Dans combien de temps on se capte? On se capte dans... Chez toi? Arthaga. Chez moi. Quelle est cette belle voix que je viens d'entendre là? Dis-moi. C'est l'une de mes, comment dire, de mes servants. Ah, ça va, j'ai cru que c'était ta soeur, putain, j'ai eu peur, putain. Comment ça, ma soeur? J'ai pas soeur. Bah, ramène ton maman, ma femme, ouais, un soeur. Ouais. C'est rien, si ramène ta maman, on va faire une soeur, c'est ça? Non, je te jure, non, ça voulait pas dire ça. Non, j'arrive chez toi dans un instant, dans 5 minutes, c'est bon? Non, on va pas se voir au golf. Ok, où alors? Ouais, si, en fait, vas-y, viens au golf, on s'en fout. Vas-y, j'arrive. Bon, ça va, il s'est apaisé un peu, les gars. Mais frère, ma mère s'est fait défoncer, mais elle aussi, elle cherche la merde tout le temps, on le sait. Attendez, on va aller vite voir combien d'argent a rapporté l'entreprise. Wow, on a 12 000! Incroyable! Putain, ils font du bon boulot. Oh, ça fait plaisir. Ok, ça c'est bon. Ok, j'ai pris mon taxi, let's go. On va voir après avec les employés, tout ça. On va prendre un peu des nouvelles. Là, vous êtes en train de me demander. Et la Merco, en fait, les gars, j'ai un petit souci en ce moment. Il y a un problème. Ça pose problème, ça peut faire crash et tout. Oh, c'est qui ça? C'est toi? Oliver, comment il est? Ça va. Putain, j'allais t'appeler dans un instant. J'avais juste un rendez-vous. Si tu veux, on se capte après. Vas-y, bah je suis chaud, vas-y. Ouais, hey, tu roules pas dans n'importe quoi, toi, wesh, putain. Ah non, bah c'est la voiture avec laquelle j'ai gagné le truc. T'as gagné le Racing X? Ouais, j'ai gagné 30 000 balles. J'ai versé 5 000 à l'Uni. Et j'ai payé les mecs avec les... Même toi, je te ferai un virement. Attends, mais non, jamais, mon frère. C'est moi qui dois te payer. En fait, t'as représenté les taxis. Waouh, merci, ouais, mon frère. Ouais, on va faire ça comme ça. Mais toi, t'as pris ta part aussi, hein, n'hésite pas. Hein. Je te laisse gérer la comptabilité. Hein. T'inquiète, je gère tout. Là, je vais aller à mon rendez-vous et on se capte après, si tu veux, on fait un débrief. Vas-y, merci, t'es un bon. Non, les gars, c'est trop un bon, frère. Il vient de me donner 3000. Mais c'est un malade. Ok, on va aller au golf. Tout le monde m'a dit dans les commentaires, calme un peu avec Alvaro parce que ça peut me coûter la vie. Et vous savez, je peux mourir à tout moment hein, si jamais je fais trop le con. Donc, on va calmer pour le moment. On peut pas trop rigoler avec lui parce que ça peut se retourner contre nous. Les gars, dans cette vidéo là, je vais me consacrer que sur le business là. Que sur le business. J'espère qu'il me donne de la coque ou quelque chose où je peux revendre au PNJ, aux concitoyens comme ça. Pendant qu'on fait des courses avec le taxi, on revend. Ça peut être incroyable. Ça fait une semaine que je ne suis pas connecté. Donc là, il faut que je rattrape mon retard. Parce que le business là, l'argent là, le million, on va pas le toucher comme ça. Hein. La dernière fois, je suis venu, j'ai pissé sur son lit.
Faut pas qu'on se fasse remarquer, hein. Wow, la caisse, mais lui, il se met tout le temps bien. Wesh. Waouh, ça a évolué, putain. Oh là là, Jake. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Vous êtes trop classe, ça fait plaisir. T'as bien évolué, je me rappelle la première fois que je t'ai vu. Ouais, 2 mois après, on se voit dans mon ambassade, avec mes gardes du corps. Une partie grâce à moi, je t'ai porté chance, on va pas se le cacher. Oui, oui, on va dire ça. Je viens de France, et la France, ça porte chance. France, chance, ça dépend pour qui, France, hein. Chance, ça finit pareil, tu vois. Ouais. Bon, après, voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour rattraper mes erreurs. Je vais laisser les meufs de côté, ça y est. J'ai rien contre vous, demoiselle Deya. Mais les meufs, c'est des problèmes, les gars, je vous le dis. Ouais, après, en l'occurrence, c'est vrai que si tu prends n'importe qui, tu peux te prendre des problèmes dans la gueule. Ouais, je sais. Tu sais pas sur qui tu tombes, au moment où tu peux tomber sur des personnes mal intentionnées. Ouais, faut se méfier de tout le monde, quoi. Après, voilà, si tu veux pas me laisser me faire un petit test, je sais que à l'époque, voilà, il s'est passé des choses. Enfin, pas à l'époque, il y a quelques mois ou quelques semaines, je sais. J'ai envie de vous prouver, même à vous tous, d'ailleurs. Tu me l'as déjà dit combien de fois ça? Ouais, mais avant j'étais pas patron, maintenant j'ai des responsabilités, tu vois. J'ai plus le droit à l'erreur. Tu m'as dit c'est ma dernière exactement, chance. Exactement, la prochaine dit. Fois c'est une balle dans la tête, donc pour ça je préfère désamorcer la bombe maintenant. Bref, c'est quoi le travail que tu veux? Tu cherches quoi? J'ai envie de me faire un petit peu d'argent là, parce que taxi c'est bien, mais. T'as toujours l'arme que je t'avais filée au fait? Ouais, elle est toujours là. Tu te souviens de la marchandise que je t'avais donnée à l'époque? Ouais. Est-ce que tu veux meilleur, on va dire, et de la vraie cam cette fois et pas de la merde? Ah ouais, pourquoi pas? Du coup, cette fois tu jures que tu vas pas faire de la merde, prendre la plata pour toi, te barrer, la planquer. Quoi que ce soit. Non, Alvaro, ça m'a servi d'expérience, t'as vu, ça m'a mené nulle part. Et en plus, c'est ma dernière chance, jamais, je prendrai jamais le risque de faire ça. Après, j'ai des cigares, si tu veux, ou des cigarettes à te proposer. Bah, on va commencer par la cocaïne avant, non? Après, du LSD, de la méthamphétamine, peu importe, on va voir. Pas de soucis. T'arrives déjà à m'écouler un petit peu de cocaïne. Et ça se passe comment? Je dois t'acheter ou tu prends un pourcentage dessus? Comment ça se passe? Je vais te la vendre, tu me l'achètes et ensuite tu te fais du bénéfice dessus. Mais tu gardes toute la plata que tu fais au final. Vas-y, je suis chaud. Moi, j'arrive, je vais voir ce que j'ai, si ça se trouve, j'ai plus de cocaïne ici. J'ai peut-être de l'extasie pour toi sinon. Mais écoute, si t'as besoin de te préparer, tu me dis, je vais toujours faire mon job et après, quand la cargaison est prête, bah, je viens récupérer, je ramène l'argent, tu me dis combien? Vas-y, on fait ça. Bah vas-y, à tout à l'heure. Merci pour ta confiance. Les gars, on va avoir de la coque ou je sais pas quoi pour revendre, là on va se faire des couilles en or. Oh j'adore. Oh je vais péter les plombs. En plus on s'est fait 3000. Il faut pas qu'on dise ça à Oliver, s'il sait ce que je suis en train de faire là. Merde, il pleut chez moi les gars, si vous entendez la pluie, des fois un bruit, faites pas attention, c'est la pluie, mais j'espère que vous allez pas trop entendre. En fait là ce qu'on va acheter c'est de la coque qu'on peut revendre au PNJ. Ou à n'importe qui. Même on va pouvoir revendre ça à des citoyens. Fais partir regarder Instagram un peu. Et la Juniper là, ouais elle. Oui ça va super. Oh tu travailles au taxi, très beau costard. La Juniper les gars, c'est vrai, m'avait répondu. Oui je suis le patron. Tu as un talent dans la photographique. Je sais pas si ça se dit hein. J'aurais besoin de tes talents. Oh là, le disquette. Je suis mort. On va appeler un coup Wade là pour prendre un peu de nouvelles. Allô. Wesh, pourquoi je vois mon téléphone blanc là? Ouais c'est un petit problème ça. Ça va quoi Jake? Ça va et toi? Je suis en train de travailler là. Comment ça dit quoi? Bah écoute, ça dit qu'on prépare notre nouvel événement, mon vieux. Je voulais te féliciter. Merci parce que grâce à toi, un membre du taxi, mon copatron, il a gagné. Et du coup, on s'est fait des couilles en or. Enfin, du couille en or, on s'est fait un petit billet là, ça fait plaisir. Ça s'est bien passé? Bah écoute, c'est bien passé. Et là, on enchaîne là. On va faire un truc de MMA. Ah ouais? Combat d'MMA là. Ouais, je dois détruire un gars. Je t'écris pour Cédric Doumbé ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es fou toi? Bah vas-y, hein. Courage, hein. On va faire ça, là. Moi, je voulais prendre des nouvelles. Comment ça se passe la vie de comment dire, sa mariée? Bah écoute, ça se passe que. Non, Jake, c'est trop compliqué, arrête, tu vas me faire chialer, putain. Dis-moi la vérité, c'est vaut mieux pas se marier, on est d'accord. Vaut mieux pas se marier, frère, elle est déjà enceinte de 2 enfants. Wesh, comment ça? Jure, Jake, on peut plus. T'attends des jumeaux? J'attends des jumeaux. Ah, c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de te dire, on a une petite aventure avec elle. Quoi? Pendant l'enterrement de jeune garçon. Et non. À mon avis, voilà quoi, tu vois. Moi, je l'ai mis enceinte, plus toi, du coup, ça a fait 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sérieux, là, Jake. Ben frère, c'est vie de jeune garçon. Enfin, vie jeune fille. Et du coup, ben voilà quoi. On... Mais je suis pas allé baiser, moi, frère, pendant que j'ai fait mon truc de jeune garçon. Ben elle a le droit, ouais. On a le droit. Moi, je suis parti juste faire striptease, mais après, tu connais, frotter, je frotte. Ben à un moment donné, j'ai glissé. Et t'as glissé plus, là. Bien, c'est laissé faire. Mais non, je rigole, putain, je voulais te faire une blague. T'es fou, quoi. Oh, putain, j'allais faire la guerre. Je la respecte trop. Après, c'est une charmante femme, hein, je vais pas te le cacher. Ah oui, ça, c'est vrai, ça. Mais bon, moi, frère, c'est bon. Avec Nora, tout ça, là, je vais faire une pause, là. Ça va trop vite de mon côté. Et parce que mon business il marche pas, il tourne pas, ça me fait perdre du temps. Moi je cherche juste des relations pour m'amuser, rigoler comme ça, mais pas des trucs sérieux, c'est mort. Là je sais qu'elle veut se mettre en couple directement avec moi, mais je suis pas chaud là. Mais si jamais tu cherches quelqu'un pour travailler au taxi, hésite pas. Je vais essayer de voir parce que je vais commander d'autres taxis là bientôt. Vas-y, bah écoute, prends soin de toi. Merci à toutes. En tout cas les frérots, toujours pareil, le serveur, on fait toujours les whitelists, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez vous amuser un petit peu. Tu es fantastique, le lien est en description. Si vous êtes majeur, si vous avez un bon micro, si vous avez un bon RP, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Taxi pour vous servir. Vous allez bien? Besoin d'un taxi?
Oui, j'en ai besoin. Montez, montez, montez. Oui, vous voulez aller où, monsieur? Je voudrais bien aller au Beat Club, s'il vous plaît. Aller-retour ou juste à l'aller? Non, allez, allez. C'est 100$, c'est bon pour vous? Non, vous avez augmenté les prix. Ben, l'essence, elle a augmenté, monsieur. On est obligé de suivre, vous savez, c'est pas évident. Ouais, ça se comprend alors, ça se comprend. Vous faites quoi dans la vie, vous? Ah, écoutez, je viens d'arriver de Chicago, j'essaye de trouver un peu de travail là, mais c'est dur. Hein. Ah ouais, t'essaies de trouver du travail? Est-ce que t'as un petit budget avec toi? Ouais, ouais, pas mal, un petit budget, ouais. J'ai peut-être un petit boulot pour toi, mais attention, ça reste entre nous. Ah, mais qui me dit que je peux te faire confiance? Jamais, je te connais pas, t'es un inconnu. T'as ma parole que tu peux me faire confiance. Je vais réfléchir, tu vas me laisser ton numéro. T'aimes le risque ou t'as peur du risque? Moi, je veux de l'argent, moi, je m'en fous. Bah, alors écoute-moi bien, je vais te recontacter tout à l'heure, ok? Et on va voir ce que tu peux faire. Donne-moi ton numéro. Putain, les gars, je fais confiance. Viens, je te fais la facture déjà. Faut pas abuser non plus, faut payer, hein, mon gars. Je te laisse régler la facture. Voilà, merci, mon ami. Ok, écoute-moi bien. Là, j'attends une cargaison, ok? Pour l'instant, je peux pas t'en dire plus, mais je te tiens au courant. C'est moi qui te contacte. Okay. Prépare ton budget. T'as combien d'argent? Petit budget de 10 000, à peu près. Ouais, je vais pas demander tout ça au début. Je vais peut-être te donner quelque chose qui va pouvoir te faire des petites couilles en or, tu vois. Si t'arrives à être discret, mais par contre, c'est un peu sale, hein. T'es la première personne que j'en parle, là, parce que je vais avoir un business et il me faut des gens, là, tu vois. Tu me redis ça, tu m'envoies un message, tu mets tout ce que t'as besoin, tout ça. Pour de ce que j'ai à savoir. En tout cas, bien la outfit. À part ta gueule, mais sinon la outfit elle est bien. Ah, je rigole. Allez, tout à l'heure, mon ref. Ouais, tout à l'heure. Ah, allô. Ouais, allô. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je te rejoins où? On va te rejoindre. Là, j'étais au Beach Club, j'étais en train de livrer quelqu'un. Enfin, le livrer, le déposer, parce que je suis taxi. T'es au Beach Club là? On est juste à côté de toi là. Ah, ben voilà, vous êtes là. Je vous suis ou on reste dans le parking? On va faire ça là, demi-tour, on va aller au Pacific Bluff. Je te suis. Oh là là, les gars. Ça y est, les frères. On commence comme ça. Du coup, 80 pochons, ça te va? Ouais, ça me va. C'est 3$ unité, 240$. Je peux le revendre entre 5 à 10$ aux personnes. Ok, parfait. Voilà. Et si je me fais choper, ça il se passe comment? Je risque de perdre mon entreprise comme ça? Mais abuse pas, c'est de l'ecstasy. T'étais pas en train de vendre des lance-roquettes là. Hein. Ah, après, je pourrais vendre des lance-roquettes? Non. Mais nous avons des lance-roquettes derrière là, regardez-moi ça. Ouais, c'est. Mais c'est les miens, les lance-roquettes là derrière, hein. C'est pas les tiens. Ouais, non, mais j'ai rigolé. Bref. Bref, vas-y, je te tiens au courant quand tout est vendu. Une soirée à toi. Ouais. Allez, les go, aria. Sardes. L'extasy avec nous. En vrai, est-ce que c'est rentable de donner à quelqu'un pour revendre pour moi ou le revendre à quelqu'un? Du coup, ça nous a fait 240 les 80. Ce qui est bien, c'est qu'en taxi, on est discret parce que on fait genre qu'on récupère des gens, mais en fait, on les vend. On va aller vers Vinewood, les gars. Là, au moins, je fais mon business, les frères. Personne n'a rien à me dire. Ouais, fais pas ça, Jack. C'est pas bien ce que tu fais. Je fais ce que je veux. Y'a pas ma mère, y'a personne. Allez, vous faire enculer. Moi, je suis venu ici pour vivre ma vie comme je le souhaite. Parce que les gens, ils commencent à me dire, ouais, tu fais trop n'importe quoi. Hey, commencez pas. Hein, je fais ce que je veux. Voilà. Là, faudra faire vite. On fait ça. On vient là, comme si rien était. On vend. Vite. Hé, elle m'a volé! Non! La pétasse, elle m'a volé! Mais je vais l'enculer, cette connasse! Putain, ça commence mal! Viens ici, pétasse! Putain, je vais péter les plombs. Putain, les gars, je me suis fait voler 5 pochons, elle a disparu. J'ai envie de péter mon crâne. Putain, les gars. Bon, ok. Il nous reste 75, on s'est fait carotte. J'ai pas été assez rapide. C'est normal, c'est la première fois que je fais ça. Ouah, y a v'là du monde, hein. J'ai quelque chose pour vous. Ça vous intéresse? T'es sérieux? Il veut pas, wesh! Elle va appeler les flics! Wesh, les gars, je stresse! Yes, c'est bon! Il m'achète! Vite, on va bouger, les gars, je stresse, j'ai l'adrénaline! Si les flics, il arrive, je suis dans la merde! 20$, let's go, il a pris 4! Il y a une meuf, j'ai l'impression qu'il a appelé les flics, hein! Parce que les PNJ peuvent appeler! Je me suis fait 20$, écoutez! Ah, regardez, ça devient l'argent sale! L'argent, il est même pas propre, les gars, on prend un risque pas possible, là, pour faire ça! Il y a un mec, là, on va voir! Chef! Allez, vends. On a vendu encore pour 20. Non, mais lui, je vais l'insulter. Je lui dis, c'est moi qui l'appelle. Allô? What, Jake? Oui. Ouais, ça va. C'est pour aujourd'hui la livraison ou pour une prochaine fois? Pourquoi tu vas y aller là? Non, c'est juste pour ça. Y'a les flics! Je vais bientôt y aller, mais. Ouais, mais c'est pas grave, on se tient au courant, t'inquiète, mon ref. Ok. Y'a les flics, les gars, j'ai entendu les flics! Oh putain! J'espère que je vais pas me faire choper! Heureusement, on est parti à temps, putain! Non, mais c'est trop risqué ce truc, les frères! Il faut que j'écoule tout mon stock. Eux, c'est sûr, ils achètent. C'est sûr, ils achètent. C'est des clochards. Prends ça pour toi, me vole pas. Oh non, il m'a volé, il y a les flics. Il m'a volé cet enculé. Mais j'en ai marre, putain, je me fais tout le temps voler. Je vais l'écraser cet enculé. Tiens, connard. C'est bon, j'ai récupéré, let's go. Les gars, c'est trop risqué. Il y a les flics. Bonjour, comment allez-vous? Passez une bonne journée? Oui, ça va et vous? Passez une bonne journée? Oui, j'ai vu une petite panto bleu ciel qui roulait n'importe comment là. Une panto bleu ciel? Ouais, et il y avait votre collègue qui le coursait. De quel côté, vers où? Bah, à l'arrière, vers Vinewood là-bas. Ah bon? Attendez, je vais aller voir tout de suite, hein. Ouais, sinon vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Si jamais vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Ah, je vous appellerai, monsieur. Ouais, y a pas de soucis. Merci. Bonne journée. Oh putain!
Les gars, c'est sûr, 100%. Ils sont venus ici parce qu'ils ont reçu l'alerte. Les gars, c'est trop risqué, mais j'aime l'adrénaline, j'aime ça. Là, les gars, faut oublier cet endroit pour le moment. Heureusement, on a réussi à la rattraper, l'autre connard qui a voulu me voler. Oh, regarde, il y a du sang sur mon pare-choc. Voilà que je lave mon véhicule, me faire cramer comme ça. Oh là, il y a quelqu'un. Je vois que tu filmes, mademoiselle, là. T'es pas intéressé, peut-être? Je la prends, tiens. Écoule mon stock, s'il te plaît. Elle m'a acheté 5. Bon, allô, ça va? Tu fais quoi, là? Là, je suis au tequila. Là, j'expose tout le monde, là, en combat, là. Eh, tu veux devenir encore plus fort? Ouais. J'ai quelque chose qui peut te rendre plus fort, si tu veux. Fais quoi ton truc encore? Je peux pas te dire maintenant, il faudra que on se rejoint, je te donne, et après, tu repars au combat. T'es au tequila, là? Oui, je suis dehors. Reste dehors, j'arrive, je monte dans mon taxi et je t'en dis plus après, ok? Vas-y, c'est bon. L'autre, là, m'a baisé, frère. M'a pris 5 pour 5 dollars, frère. Je vais péter les plombs. En fait, c'est pas rentable de vendre nos PNJ, les gars. On prend autant de risques pour se faire baiser. Tu te fous de ma gueule? On le vend le double. Tu sais qu'on peut vendre ça cher. Vas-y, moi, t'inquiète. On va juste à côté. Ça va, mon petit Jack? Ouais, ça va. On essaye de se mettre bien là, petit à petit. Hein. Alors, je vois que t'es en train de faire des combats et tout. Ben, moi, on m'a dit que voilà. Je sais pas, j'ai pas encore testé, mais j'ai eu quelque chose là. Ça peut te rendre fort. Que t'as du peps après. Et voilà, c'est pas gratuit, tu connais. Hein. Je te montre un échantillon. Ton truc. Ah, l'extasy, oui, je connais. Combien par unité? Si tu prends les 60, je peux te faire à 500. Vas-y. Je te donne les deux gratuits. T'as déjà un. Attends, je te passe déjà la moitié. Attends. Tiens, je te donne. Oh, je l'ai tout vendu, putain! Et teste et dis-moi si c'est vraiment efficace. Vas-y, je testerai ça tout à l'heure. J'ai un petit business là, c'est pour ça, tu vois. Tu trembles vraiment dans tout, toi. Hein. Je préfère vendre à des gens comme toi, tu vois. Après, si t'as des contacts qui achètent là, n'hésite pas. Tu connais des gens qui achètent. En avoir, ouais. Je peux avoir n'importe quelle quantité, tu me dis. Et moi, je te fais la cargaison, je te livre. En fait, par rapport avec Alvaro, j'essaie de avoir sa confiance, de qu'il m'a donné cette petite mission. Et au moins, j'enterre l'âge de guerre avec lui parce que c'est pas le moment pour. Voilà quoi. Surtout pas contre Alvaro, ouais. Vas-y, je t'attends. J'arrive. On s'est fait 500. Parfait. Incroyable, les gars. Ah, ta boîte à gants. Vas-y, pose dans la boîte à gants. Oh là. Je te redépose. Si t'as besoin encore, bah tu me contactes et j'essaie de récupérer d'autres. Là, j'ai écoulé tout ton stock là. Bah, moi, ça me met bien envers Alvaro, t'es tranquille là. Vas-y, bouge, tu me tiens au courant? Vas-y, c'est bon, allez, présente-toi. Ok, attends, on va se garer juste ici là. On va appeler Alvaro pour lui dire qu'on a écoulé le stock. Allô? J'ai écoulé le stock. T'as déjà tout vendu? Ouais. Ah bon, t'es rapide, hein? T'es dit, là, je suis motivé, j'ai envie de te prouver. Tu t'es fait combien? À peu près 500. T'en veux d'autres? Ouais, j'en veux plus là. J'en veux beaucoup plus. Vas-y, on se donne rendez-vous dans 10 minutes. Ouais, tu m'emmènes combien? Comme ça, je prépare l'argent. 200. Ok, dis-moi le compte. Ça te fait 600. Parfait, à toutes. Ou alors, je te donne 300 directement, comme Dieu, tu me dis. 300 directement, vas-y. Ça te fait 900 dollars, du coup. Ok, je prépare l'argent et j'arrive. Oh là 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 là, les gars, j'aime trop mon business là. On a tout l'argent liquide avec nous là. Ma caisse, il s'est abîmé, frère. Je passe un mécano là. De toute façon, on a un contrat avec les mécanos, autant utiliser notre contrat. Ah, oh merde. Je vous ai touché, monsieur? Je sais pas, peut-être parce pas. Que pour moi, je vous ai pas touché, vous allez bien? Oh non, ma voiture. Ouais, pour moi, pour mes yeux, vous m'avez... Voilà. Ouais, bah tenez, je vous donne un truc pour la voiture. Là. Putain, merci, je vais aller pouvoir les réparer tout de suite au mécano. Tenez, je sais pas combien ça coûte, mais... Merci beaucoup, c'est gentil. Puis s'il y a un problème avec votre patron, vous lui direz l'agent 23 et... Pas de soucis. Vous avez besoin d'un taxi, mademoiselle? Non, mais c'est bon. On travaille, monsieur. On travaille ensemble. Ah, j'ai cru qu'elle était là, ok. Désolé, c'est parce que je suis encore sonné, là, tu vois. Vous voulez de soins? Non, c'est bon, ça va aller, je vais me reprendre. Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire, si je vais me reprendre. Si vous avez un problème avec votre patron, vous me dites. Hein. Y a pas de soucis, c'est moi le patron. Bonne soirée, encore désolé. Comment? Oui, c'est moi le patron. Ah bah, voilà, bonne journée. Oh, les gars, comment gratter 300 dollars? Oh, vite, mais quoi demander de plus, les gars? On est trop un arnaqueur, nous. Allons. Ouais, c'est bon? T'es où? Oui, c'est bon. Là, j'allais aller au mécano pour réparer ma caisse. Y a un flic qui m'a foncé dedans. Putain, c'est enculé. Mais je vais venir avant, t'inquiète. Je t'envoie la position. Vas-y, j'arrive, envoie la position. Bon, on va réparer notre voiture après, on va y aller, le business avant tout. Putain, t'es même ma caisse, il ressemble plus à rien. Wesh, mais il a combien de planques, wesh? Non, mais c'est trop. Mais il est trop organisé. Allez, niquer ta caisse là. Bah ouais, c'est un flic qui m'a rentré dedans. Putain, regarde, j'ai le nez cassé là. Tu peux me redresser le nez? Oui. Vas-y. C'est bon. Ah, c'est bon, merci. Ah, mais lui, une patate, une vraie patate. Non, c'est bon, là, c'est bon. Ça t'a remis le nez en place, c'est bon. Arrête, petite chochotte. Ok, c'est bon, j'ai l'argent. T'as la plata du coup? J'ai un petit pourboire. Je te mets ça dans le coffre. Ouais, vas-y. Tu m'as tout mis, attends, je vais vérifier. C'est reconfiance ou c'est comment là? Business is business, les gars. Vous vérifiez, non? Alors, on va voir ça, je vais compter. Ok. 1, 2, 3, 4. Tu vas compter 5, les 300 un par un? 6, 7, vraiment, 8, 9. Rapidement, 10. Allez plus vite. C'est des packs de 10 qu'il y a 11, vraiment. 12. Oui, mais je compte quand même s'il y a vraiment des packs de 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok, écoute, je te fais confiance, c'est bon. Mais écoutez, moi, je vais aller revendre tout de suite. Je te rappelle après. Et si jamais je vends très vite, j'aurai une promotion. 2 dollars au lieu de 3. Ouais, c'est ouais, ça que tu ouais, veux dire, ouais, voilà. Ouais, on verra. Vas-y, je vous dérange pas.
plus. Amusez-vous bien. Allo, oui, taxi pour vous servir. Ah mais tu vas pas aller faire un taxi avec 300 d'extasie dans vous avez besoin de taxi? Envoyez-moi la poste tout de suite, j'arrive. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir au magasin de tatouage sur Vanille? Magasin de tatouage sur Vanille, j'arrive tout de suite. Mais tu peux lui vendre directement du. Mais oui, mais c'est ça le plan. Par contre, si tu te fais baiser, c'est ton entreprise, elle est morte là, du coup, par contre. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est un risque. Faut pas mêler ton entreprise à ce que tu fais. Ouais, mais au moins je suis discret, tu vois. Roule pas comme un fou et toi, baisse. Non, non, t'inquiète, je roule tranquille. Je te tiens au courant. Merci, mon ami. Ok, les gars, il a mis 300 dans mon coffre. Je vais essayer de revoir Wade si ça a marché. Alors, ça a marché ou pas? A marché du tout, frère. Mais comment ça? Je me suis mangé une droite, tu t'en mets KO. Mais non, mais ça te donne l'adrénaline normalement, non? Pas du tout, ça m'a ramolli. Mais ouais, mais non, mais après, oui, ça c'est une fois que t'as fini le combat, tu prends ça, tu sens plus la douleur. C'est ça, j'ai oublié de préciser. Pendant le combat, tu sens pas les coups. Mais après, une fois le combat est terminé, là, il y a les retombées, la douleur et tout. Tu prends ça et c'est bon. Ouais, je me suis mal expliqué. T'inquiète, bah tranquille. Bah, dans tous les cas, je vais parler avec un gars là pour voir si il en mec, joue, là, là, j'en ai. Écoute-moi, j'en ai 300 là. 300? Tu dois vendre ça pour quand? Moi, le plus vite possible. C'est 10$ le pochon, c'est ça? Ouais. Fait 3000 du coup. Tu les as pris à combien, toi, chez Alvaro? Écoute, ça, c'est mon business. Ça. Après, je te donne 1000$ dessus. On revend à quelqu'un 3000 et moi, je te donne 1000$ dessus et on est bien. On va bosser ensemble, okay. Mec, on va monter un business. Bah, vas-y, c'est moi, je t'appelle. Vas-y, rappelle-moi vite. Ouais, s'il m'a dit de venir ici, mais il est où cet enculé? Y'a un mec qui m'appelle pour venir le récupérer. Tatouage Vinewood, il est nulle part. Les gars, vous avez vu en quantité comment ça chiffre vite? On a pour 3000, on donne 1000 à Wade s'il me trouve un client. Oh, il m'a rappelé. Non, mais dis pas qu'il a un client. Ouais. J'en ai déjà un, il va en prendre 100 pour 1000$. Incroyable. T'es bon. Tu viens avec moi pour le vendre? Oui, t'inquiète pas. Vas-y, viens devant l'unicorne. Écoute, d'abord là, je vais aller réparer ma caisse vite fait et j'arrive, ok? Bah, je suis au Bénis. Bah, vas-y. Bah, ouais, j'arrive au Bénis là. Répare ma caisse là, j'arrive là. Bah, vas-y, j'arrive au Bénis aussi. Là. Oh là 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 là. Aïe! Non! Ma caisse, putain! Ça va, chef? Regarde-toi. Putain, il a niqué ma caisse, putain! Va falloir faire quelque chose là, c'est pas possible ça. Faut pas me faire payer les réparations là. Non, excusez-moi, monsieur, excusez-moi de vous avoir écrasé. Non, vous inquiétez pas. Ça peut m'offrir la réparation pour le dédommagement là, s'il vous plaît? Vous savez le prix de ça? J'ai encore des crédits là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et c'est le monsieur qui est sorti comme un fou. Priorité, c'est à droite, hein, tu connais. Hein. Mais vous êtes dans une zone privée, du coup, faut ralentir. Ok, bon, faites-moi la réparation. De toute façon, j'ai un contrat avec vous, rappelez-vous. Et toi là, ouais. Ça se voit que tu consommes, toi. Non. Viens. Consomme. Non, je consomme pas. Attends, tu vends? Écoute, ça, c'est mon business, tu vois. Chef. Quoi? On me veut dire de rentrer là-dedans, parce que, tu sais, le truc avec ça, c'est que t'as toujours besoin de plus. Ouais. Alors, les popcorns, c'est bon et tout, mais genre... faut éviter, tu vois. Sans casser les couilles que tu restes là-dedans, ok? Franchement, c'est un business qui détruit les gens. Ouais, mais là, j'ai pas trop le choix, tu vois. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, si t'as besoin de rien, je te devrais racheter, après, genre, je m'en serais débarrassé, tu vois. Non, jamais. Prends déjà un peu de sous, là. Non, je suis pas un clochard, qu'est-ce que tu fais? Chef, c'est pas une question de clochard, c'est que déjà, ça te mettra bien. Tiens, prends ça, récupère. Et évite les emmerdes. Ok, merci, c'est gentil, je vais arrêter, là, je vais leur dire. Merci beaucoup, au revoir. Et note, pour la fin de semaine. Ah oui, c'est vrai ça. Alors là, ça va chiffrer. Non, abuse pas, allez, je vous suis. Attends vite fait, il y en a un qui arrive, attends vite fait. Suivez-moi. Ok, c'est incroyable là, les gars. On s'est fait 3000, les gars. On va lui donner 1000, ça rapporte trop. C'est mieux de vendre à des gens, en fait, ils consomment, ça se met bien, tu vois. On va aller là. Ok, les gars, on vous fait confiance, les gars, ok. On se connaît pas, voilà. C'est quoi ça, c'est pour usage personnel, ça? Non, c'est pour revendre après. Hein. Pour revendre, ouais. Vous pouvez revendre à 15. Je te laisse redistribuer, s'il te plaît. Oui, monsieur, vous avez besoin d'un taxi? Oui, je suis sur l'autoroute, s'il vous plaît. Envoyez-moi la poste, s'il vous plaît. Pas de problème. Les gars, c'est bon pour vous. Vous avez besoin encore, vous contactez Well, ok? Et il me contacte. Allez, vas-y, bon courage. Merci, merci, mon ref. Oh là là, t'es mal argent. J'ai 2800, les gars. Mais c'est une dinguerie, putain. Je vais appeler Alvaro, il va être fier de moi. Ouais, logique. J'ai déjà tout vendu. Comment ça, t'as déjà tout vendu? Je me suis fait 3000 balles. Arrête les conneries. Je te jure, wesh. J'ai des contacts, t'inquiète. C'est des petits fêtards et tout, ils font la fête. Et du coup, on fait quoi? Attends, on revue d'autres là? Soit je refais mon stock tout de suite, ou soit non, là je vais me poser un peu, je pense. Tu fais quoi là, toi? Là, on est en train de se balader avec les buggies. Non, parce que là, t'es occupé. Mais c'était juste pour te prouver que voilà, t'as vu, je suis efficace. Et moi, je t'en donne 500 ce soir là et tu démerdes avant de le reste. Peut-être je le vendrai pas tout de suite, mais je le garde en non, stock. Non, t'inquiète. Vas-y, on fait comme ça, mec. Vas-y, j'arrive. Vas-y, moi je fais une course toujours. Avouez que c'est un beau business, les gars. On va être bien, les frères. Ouais, il se met bien, moi je me mets bien. Et ça, faut pas dire Alvaro qu'on a des contacts. Enfin, faut pas dire Alvaro, c'est qui nous contacte. Allez, montez. Et pour aller où? À la station d'essence la plus proche, s'il vous plaît. Ah, vous allez acheter un bidon, ok, c'est juste à côté. Ouais, c'est ça. Et vous êtes un flemmard, wesh, c'est juste à côté. Non, je sais, je suis à la fête foraine, tombé en panne, j'ai couru, ouais. Faut pas hésiter à appeler les taxis, monsieur. Vous pouvez me redéposer là-bas si ça vous dérange pas? Bien sûr. Par contre, c'est 100$ la course, c'est bon pour vous? Ouais, nickel. Bah écoutez, moi je vais profiter aussi de faire le plein. Là, je suis à fond dans mon job taxi, plus que je suis un dealer, je suis trop bien. Ok, c'est bon pour moi, chef. Vous faites quoi comme ça à la fête? Là, j'étais en train de vendre du poisson.
Vous êtes pêcheur ? À mes heures perdues, ouais. Ok, ok. Et voilà, je vous fais la petite facture. Merci. Et voilà. Parfait, je vous prie ça. Voilà. Merci, passez une bonne journée. À la prochaine. Pareillement, au revoir. Hop là, petit 100$ en plus, là, dans le compte de l'entreprise. On est bien, non, les frères ? Après, le système de compteur aussi, il était pas mal en vrai. Hein. Les gars, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fait comme ça, là ? On fait 100$ ou on met comme à l'époque un script qui fait automatiquement les. Plus tu roules, plus les dollars, ils augmentent. Le prix, il augmente. C'est incroyable, comme à l'époque. Je crois qu'à Liberty City, en fait, c'est ça ? Ouais. Ouais, t'es où ? Je joue sur la route, moi. Amphithéâtre, vous aussi ou pas ? Vas-y, c'est bon, je vois. À toutes. Qu'on trouve un autre business, les gars. Un truc qui utilise. Un truc illégal qu'ils utilisent et après ils pourront racheter avec moi. Un business que personne ne fait. C'est votre moment là, donnez-moi des idées. On fabrique le truc et on le revend nous-mêmes. Là on bosse pour Alvaro. Les gars, c'est votre mission dans les commentaires. Donnez-moi une idée, qu'est-ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes. On achète une usine, une petite usine un peu paumée là, je sais pas, mais on fait un business à nous, à notre propre nom, tu vois. On fait bosser Wade et tout, ça peut être incroyable, non. Mais faut trouver l'idée. En parallèle, on fait toujours taxi. Là pour l'instant, toute la vie est belle, les gars, mais un jour ça va me retomber dessus tout ça. Wesh! Vous m'avez fait peur, putain! À chaque fois, vous faites un entrée spectaculaire. Il nous dérange dans notre randonnée. Eh, y a pas de déranger quand c'est le business, hein? N'est-ce c'est pas, vrai, les gars? C'est vrai. On allait monter le Mont Chiliad. Non, mais tranquille, après, je te dérange plus, là. Du coup, ça fait combien? Tu me fais un prix ou pas? Un petit prix. Vas-y, combien? 1 400$. Ça revient à 2,8. J'ai baissé de 0,2. Ok, c'est déjà ça, c'est déjà c'est ça. C'est déjà très peu, trop. Hein. Après, y a une spécialité, ça, quand ils consomment ça? Y a quoi? Ça fait quoi? Ouais, ouais. T'as pas essayé? Bah, tu goûtes, hein, tu verras. Non. Mais je le fais devant toi. Avec moi, vas-y, donne, je vais goûter. Allez, Jake, oh, c'est parti. Wesh, ah ouais, oh putain, je me sens bien là. Je comprends mieux pourquoi ça me vend comme ça. Ah bah, il m'en reste plus 4 496. Attends, vas-y, j'ai un appel en plus. Ouais, j'ai un potentiel acheteur là, mais le truc, c'est que c'est des vagos. Est-ce que ça te dérange? Écoute, je te rappelle dans un instant. Attends, vas-y, donne la plata du coup. T'es pas donné? Merde, si, je t'ai donné. T'as donné? Ouais. Pas donné. Tiens. Essaye de me baiser. Non. Ouah, c'est de la bonne. Ah là, c'est bon, je vois mieux. Bon, allez, bon amusement à vous. Écoute, le problème, moi, je veux pas que ça arrive. Si tu veux, je fais la transaction à ta place. C'est ce que j'allais te dire, là, ça, c'est ce que j'allais te dire. Vu qu'il fréquente ma mère, j'ai pas envie que voilà, ma mère elle est au courant de quoi que ce soit. Je prends pas de risque. Donc, ce qu'on va faire, on se donne rendez-vous. Tu me prends tout, tu me donnes l'argent. Moi, je veux 3 000 pour moi, 2 000 pour toi, c'est bon. C'est sûr qu'il achète déjà. Est-ce que c'est sûr? C'est ce que j'allais te dire. Là, il m'a dit, je te rappelle dans 10 minutes. Donc, attends un peu, on sait jamais. Ah, ok, parfait. Je vais aller me reposer. Donc, soit je te laisse quand même la cargaison. Viens, laisse toujours au pire et moi je te garderai ton argent de côté si. Je te le ferai partir dans tous les cas. Bah fais-moi un avance, wesh. Comment ça? Donne-moi les 3 000. Viens, l'unicorne. Retire toujours l'argent, j'arrive. Je vais appeler Alvaro, je vais lui dire j'ai déjà tout vendu. Allô? Oui. C'est bon, j'ai plus de stock encore là. Mais tranquille, on se revoit la prochaine fois. Comment ça, t'as plus de stock? Ouais, là c'est bon, j'ai vendu là. Comment ça, t'as vendu? Ouais, je vais à la livraison et après j'ai plus rien. Tu fous de ma gueule? Non, je te promets. Je t'ai dit, putain, je vais te mettre bien. Je suis un bon vendeur. Tu vends à qui? Mais à plusieurs têtes, t'inquiète. Mais t'es même pas encore parti de l'amphithéâtre. Le téléphone, il sert à quoi? Et là, je vais aller livrer là. J'ai une livraison et après, voilà, on est bien. Mais dis-moi qui tu livres quand même. Là, je vais vendre à quelqu'un, mais lui, il va revendre à une autre personne après. C'est quoi son nom? Je crois qu'il s'appelle Jacques, un truc comme ça. Jacques ou Marc, je sais plus. Ça te dit quelque chose? Bref, on s'en fout. Du moment que ça vend, on s'en bat les couilles. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je fais attention, t'inquiète. La prochaine fois, on se capte. On fera une plus grosse cargaison, à mon avis. Oui, bah, je vais te faire 2 000 la prochaine fois directement. Là, tu me fais $1 l'unité, là, ça y est. T'es déjà fait beaucoup de rond une soirée, là. Tu m'as mis bien, mon gars. T'es un bon. Ouais, bah. Calme-toi. Là, il me faut juste ta petite copine, là, et après, là, on est bien. T'es pas en haut-parleur. Ça, ma petite copine. J'ai pas de copine, Jake. Pourquoi t'es en haut-parleur? Je suis en haut-parleur tout le temps. Ils sont tous autour de moi, là. Non, j'ai rien dit. Bref, allez, au revoir, mon ref. Dors bien, amuse-toi bien. Bonne soirée. Ouais, bref, allez, bye. Les flics, ils sont énervés, là. S'ils savaient que je transportais 300 pochons d'ecstasy, là, je me serais fait baiser. Vas-y, monte. C'est dedans, c'est dans le boîte à gants. Putain, ça en fait des poches. Mec, là, tu sais, j'essaie d'économiser. Après, je vais monter mon propre business, mec. Il faut que je fabrique quelque chose que tout le monde a besoin dans cette ville et qu'il n'y a que moi qui fait. On monte un business ensemble. Attends, y a Polo qui m'appelle. Allô, bonsoir, Polo. Polo, j'ai peur. J'ai peur que après, ça arrive dans les oreilles de ma mère. Je vais pas lui dire. Le vendre à 10$. Tu peux prétendre le vendre à 10$. Ça veut dire que c'est pas le meilleur prix qu'on ait trouvé, ok? Hermano, ça se vend pas plus de 2$, hein. Tu prends 3$ sur un pochon, ils gardent, enfin t'accomplis genre sur les 10$, tu récupères 8 et eux, ils prennent 2$ par pochon qu'ils vendent, comme ça refait un peu de plata. C'est le seul truc que je peux te proposer, Hermano. T'as vu, ça veut dire tu seras jamais renta sinon, ok? Ok, c'est bon pour moi, vas-y. Vas-y, pas de problème, Hermano. Désolé, hein, je sais pas qui t'a vendu ça, mais désolé que t'as fait nickel.
T'as entendu ou pas? Moi je savais déjà, moi je t'avais dit ça, on... c'est pour ça on vend à consommation, je t'avais prévenu ça. C'est pour ça que j'ai le contact de Polo, sinon je l'aurais proposé moi tu vois. Il a dit qu'on peut vendre ça à 2$, je te jure je vais en tirer 6000$. Retenez bien ce que je vais te dire, je vais tirer 6000$. Et en plus c'est un menteur, ça revend à 5$ aux co-citoyens. Je vais m'en occuper. Prends déjà dans le boîte à gants. J'ai pris, t'as ton argent déjà, je t'ai mis 3000$. Arrête! Oui, ah je vais ramasser ça tout de suite frère. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'allais dire mec, il faut qu'on réfléchisse à un business. Parce que Alvaro c'est bien, là je le mets bien, mais c'est lui qui s'enrichit, c'est pas moi. Là tu penses pouvoir. T'arrives pas, tu me dis hein. Moi je les garde. Je vais me débarrasser de ça, t'inquiète pas. Non, ok. Et moi je vais réfléchir à un autre business. Les bouteilles de noces. Y'a pas ça. Pas. Écoute-moi bien. Bouteilles de noces, frérot, on est millionnaire la semaine prochaine. Écoute, je vais réfléchir. Faudrait que je vois. Vas-y, ben, je vais me renseigner. Ils en prennent plein, tu vois. Écoute, on se tient au courant, merci pour ce soir. Vas-y, prends-toi. Ok les gars, c'est bon. Let's go. Putain, j'ai tout vendu les frères. Non mais ce qu'il a dit, c'est une bonne idée, mais faut pas que ça soit un gros boost de bouteilles de noces, tu vois. Vous en pensez quoi, vous les commentaires, dites-moi. L'idée de Wade, il est bien ou pas? Parce que là le problème, Alvaro il me donne un petit boulot, mais. Là ça marche au début. Mais quand les gens ils vont comprendre que ça, on est perdant quand on revend, on va être dans la merde. Ok les frères, petit bilan. 4383. Oh non les frères, c'est une dinguerie. Il y a Oliver qui m'a donné 3000 par rapport au cours qu'il a gagné. Wade 4000 l'autre fois. Donc là ça nous fait 7000. Plus en espèces on a 4383. On va les regarder dans notre compte en banque, enfin notre compte entreprise. Et là ici on a 12000. Donc total ça nous fait 25000 de patrimoine de total. On a 25000, on est déjà bien les gars, on a bien remonté. On verra ce que ça va donner les frères. À vous de me dire ce que vous en pensez, les idées, et le chat est là pour ça. Aujourd'hui on s'est consacré à notre business et ça a payé. Vous en pensez quoi vous? D'habitude on fait un peu le con, on va voir les meufs et tout. Là j'ai mis tout ça de côté et franchement ça a payé. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao!